Salut tout le monde, c'est Miss Rongeur. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo info. Donc, je voudrais commencer par vous dire que la dernière vidéo que j'ai faite, donc c'était adopter ou accueillir un rongeur, mais plus particulièrement un cochon d'Inde, n'est pas exceptionnelle. En fait, au niveau du son, c'est-à-dire que on m'entend pas très bien parce que j'ai accéléré ma voix. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais au montage, j'ai accéléré pour pas que la vidéo dure 300 ans en fait. Sinon, elle aurait dû durer 15-20 minutes. Du coup, j'ai accéléré parce que je sais que moi j'aime pas les vidéos longues. Du coup, je me suis dit que les autres non plus. On n'entendait pas très bien et que l'essentiel c'était qu'on me comprenne et non pas que. Voilà, que ça aille vite, machin, et que bah, je trouve ça logique en même temps. C'est vrai que ceux qui veulent vraiment regarder la vidéo, bah, ils la regarderont jusqu'au bout s'ils la trouvent bien. Donc finalement, je pense que je vais la refaire. Enfin, la refaire. C'est-à-dire que je vais la laisser et ensuite je vais la refaire, mais je vais baisser le son de la musique déjà et je vais faire ma voix normale. Et ensuite, je vais la poster et je vais supprimer l'autre. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Et bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ensuite, je voulais parler d'autre chose. Je voulais vous remercier pour les 500 abonnés. On est actuellement 502 exactement. Et je suis hyper contente. On a atteint les 500 abonnés en 1 an et 3 mois. Et c'est énorme. Je trouve ça vraiment énorme. Je trouve que c'est hyper rapide. Je trouve ça vraiment trop bien. C'est hyper rapide. Donc vraiment, je remercie tous mes abonnés. Et je me suis dit que je pourrais faire un concours ou une FAQ. Je sais, c'est pas très très original, mais c'est quelque chose qui me plaît bien. Parce qu'en fait, j'avais déjà essayé de faire un concours quand j'avais 20 abonnés. En sachant que, genre, entre 5 et 10 de mes abonnés, c'était ma famille, mes amis, machin. Du coup, eux, ils allaient pas participer parce que c'était pas forcément. Ils avaient pas forcément de rongeurs ni rien. Enfin, ça faisait pas beaucoup de. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas que. Enfin, pour moi, avant ça me paraissait énorme, hein, 20 abonnés. Mais c'est pas que ça me paraît plus énorme, mais comment dire. 10 abonnés, c'était pas beaucoup pour participer à un concours. Et je m'en rendais pas vraiment compte. Et du coup, je crois que j'avais un participant. Ouais, c'est un participant. Et un autre participant qui a dit qu'il ferait la vidéo, mais qu'il l'a jamais faite. Mais c'est pas grave, hein, je lui en veux pas du tout. Maintenant, je voudrais penser à faire un concours. Mais attention, peut-être avec des vrais lots que j'enverrai. Mais surtout, ne commencez pas à dire machin, je sais pas trop. Parce que j'hésite, hein, vraiment j'hésite. Je sais pas. Parce qu'envoyer des vrais lots dans la réalité, c'est quand même une lourde charge. C'est quand même assez important, on va dire. Et donc, du coup, je sais pas, j'hésite. Et pour la. Mais sinon, je ferai des pubs pour la chaîne, ou je sais pas trop. Faut que j'y réfléchisse, j'en sais rien. Donnez-moi des idées de lots. Voilà, et après, je verrai. Faut que j'y réfléchisse. Trouver quelque chose d'un petit peu original, peut-être, je sais pas. Et ensuite, pour ce qui est de la FAQ, bah, je me suis dit que 500 abonnés, ça commençait un petit peu à faire beaucoup et que je parle pas vraiment en détail, on va dire, de moi ou mes animaux. Donc évidemment, pas de questions trop personnelles. Vous pouvez me demander, je sais pas, mon animal préféré, mes activités sportives, comme vous voulez, mais pas de choses trop personnelles, évidemment, ou sinon, de toute manière, je n'y répondrai pas. Donc vous pouvez poser des questions sur mes animaux, sur mon matériel, sur moi, mais évidemment pas trop personnel. Je l'ai déjà dit 340 000 fois, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez compris pour la FAQ. Donc dites-moi en commentaire... Oh, on se calme. Il y a Funky et Noisette, petite embrouille là. Du coup Noisette il s'en va. Heureusement qu'il est grand, que la pièce, parce que du coup il est deux étages en plus. Comme ça ils peuvent s'isoler quand il y a un petit problème. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Commencez pas à paniquer. Quand ils se battent, enfin ils se battent pas vraiment. Ils s'embêtent juste un petit peu. Ils s'impressionnent un peu. Ne vous inquiétez pas, hein. Ils se sont jamais mordus, on n'a jamais retrouvé de. Enfin un cochon d'Inde dans le sang ni rien. Ne vous inquiétez pas, hein. Ils s'entendent très bien. C'est juste. C'est normal, hein. Des fois vous aussi vous disputez un petit peu avec des gens. Bref, c'était pas du tout le sujet de la vidéo, donc je continue. Alors, je sais que là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, même un petit peu plus, je crois. Enfin, aux alentours de 2 semaines.
Et 2 semaines, c'est quand même un petit peu beaucoup, en sachant que à la base, je veux faire, enfin, je m'engage, on va dire, à faire des vidéos une fois par semaine. Le problème, c'est que j'arrive dans une classe assez compliquée. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'arrive en 4e. Et le niveau commence à... Enfin, le niveau. Je veux dire qu'il commence à nous demander un petit peu plus de nous. Il y a plus de devoirs et tout ça. Donc, du coup... j'ai toujours des journées très très chargées en ce moment, entre mes activités, mes cours, mes devoirs, enfin tout. Du coup, bah... J'ai un petit peu de temps. Du coup, bah, quand j'ai un petit peu de temps, pour moi, bah, je, même si j'adore faire des vidéos, je fais quelque chose d'un petit peu plus reposant, on va dire, parce que je suis très fatiguée en ce moment, enfin, fatiguée. J'ai des longues journées. Et bah, du coup, j'ai un petit peu moins de temps pour faire des vidéos. Mais je vais reprendre le rythme. En tout cas, je vais essayer. Donc, ne vous étonnez pas si ça fait 2 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Je vais essayer toujours de ne pas dépasser 3 semaines. Parce que pour moi, 3 semaines, c'est vraiment beaucoup. C'est presque un mois. Donc, mais ne vous étonnez pas si ça fait 2 semaines. Comme là, par exemple, c'est juste que je sais pas, j'ai pas eu le temps ou des choses comme ça. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos info et tout ça, comme ça. Mais j'étais obligée de vous en parler. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était ma chaîne bonus. Donc en fait, je pense à... Donc créer une chaîne bonus où je vous mettrai des vidéos beaucoup moins élaborées. Pardon. Où je mettrai des vidéos beaucoup moins élaborées. C'est-à-dire que, à la place de faire des super montages, machin, je filmerai juste par exemple quand on sort se balader ou dans des zoos, des choses naturelles, on va dire, où il y a des animaux ou de la nature, voilà, normal. Et je filmerai et je les posterai. Donc à la place de faire des montages hyper élaborés, je montrerai, genre, je sais pas, si je vais dans un zoo, je montrerai les lions et je ferai plein de petites vidéos comme ça où j'aurai pas besoin de monter, je montrerai juste. Enfin, un petit bout par petit bout, je mettrai pas tout dans une grosse vidéo, machin. Donc, ce serait des petites vidéos, genre de 30 secondes, une minute, machin. Il y en aurait plein de petites comme ça. Genre, si je vais dans le zoo, par exemple, il y aura une vidéo pour les lions, une vidéo pour les flamants roses, une vidéo, je sais pas, moi, enfin, vous avez compris. Ou alors pour des voyages, et juste des petites vidéos toutes simples où je filme les animaux comme ça, pour donner un petit peu de nouvelles d'eux, ou juste les filmer quand ils font un truc marrant, ou Athéna avec ses positions bizarres quand elle s'étire. Voilà, je sais pas si vous l'avez déjà vu faire ça, mais voilà. Ça y est, ça m'est revenu. Donc pour ma chaîne bonus, ça me permettrait de vous mettre des vidéos quand même assez régulièrement. Parce que ça ne demanderait pas beaucoup de travail, beaucoup de montage. C'est des choses, des petites vidéos où il suffirait juste que j'aille les filmer, machin, ou des petites sorties, parce que je sais que j'ai plein de vidéos de sorties, donc il suffirait juste que je pioche dans ces vidéos, et vous aurez quand même des vidéos de ma chaîne. Ce serait pas ma chaîne principale, mais ce serait une Miss Rongeur bonus, par exemple, et vous aurez quand même des vidéos au moins une fois par semaine, au moins. Je vais essayer de en prendre au moins une par semaine. Si j'ai pas le temps de faire le montage tout ça d'une vidéo élaborée, parce que souvent je cherche bien tout ce que je vais dire pour les conseils, machin, truc, là ce serait juste, enfin ce serait rapide et efficace. Et bah après évidemment je continuerai ma chaîne principale, c'est évident, et j'essaierai quand même de faire au moins une vidéo par toutes les 2 semaines, et sur ma chaîne bonus au moins une vidéo par semaine. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée de faire une chaîne bonus. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je pense que j'ai fini. Donc voilà, la vidéo est terminée. Encore une fois, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas les vidéos comme ça, mais j'étais obligée de vous donner des petites informations comme ceci. Et je tiens encore à préciser que des fois on voit Punky Noisette se chercher un petit peu. Ne vous inquiétez pas, vous voyez comme ils sont toujours ensemble, ils s'entendent très bien. Vous aussi, des fois vous disputez avec vos frères et vos sœurs, c'est normal. Et on n'a jamais retrouvé, enfin ils se sont jamais mordus, on n'en a jamais retrouvé un très mal. Enfin c'est... Ne vous inquiétez pas, commencez pas à dire que ils s'entendent pas bien, que je dois les séparer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, parce que j'ai vraiment besoin de savoir si vous voulez un concours, une FAQ, une chaîne bonus, machin, tout plein de petits trucs comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En plus, j'adore les lire et y répondre, je trouve ça trop bien. Donc voilà, faut que j'arrête de dire donc voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.